Hello les amis! Alors on se retrouve du coup bah, un lundi, hein. Le lundi c'est mes vidéos de tout, les autres jours c'est des vidéos de scrap. Donc bienvenue sur ma chaîne le lundi. Donc là je voulais faire un petit point, comme vous l'avez vu dans le titre, sur mes vacances par rapport aux objectifs que je m'étais donné. Donc là du coup j'ai repris mon planeur, mes listes. Et voilà, globalement, je suis plutôt contente. Bon, j'ai pas réussi à tout faire, mais bon, c'est pas mal. Alors, dans ma to-do list, bon, les grosses courses, ça, au moment où j'ai fait la liste, c'était fait. Le cartable de ma fille, alors là, on a eu super de la chance. Oui, parce que ma fille s'est fait manger son cartable par Baby Lila. Donc du coup, je voulais lui racheter un cartable, mais à roulette parce que elle est juste en CE1. Hein, mais alors, enfin le pire c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était affolant ce qu'elle, le poids de son cartable. Enfin bref. Donc je me méfie. J'espère quand même qu'elle va le garder l'année prochaine au moins. Donc voilà. Je me suis dit à roulette et ben, j'ai commencé à regarder sur internet. Parce qu'à Cultura, je sais qu'il y en a, mais ils sont quand même assez chers, je trouve. Et je pensais en trouver des moins chers sur internet. Ben non. Non, non, j'en ai trouvé un, hein, mais des pas chers, non, j'en ai pas trouvé. Pardon, je croyais qu'il y avait des petites mains qui étaient venues. Donc, du coup, ben, on a fini à Cultura et il en restait un. Il en restait un et elle me dit, oh, mais il me plaît trop, il me plaît trop. Bon, ben voilà. Ça s'est fait. Et puis non, même à un prix franchement raisonnable. Parce que sur internet, je les avais vus à 50, voire plus. Ou alors 40 et quelques, mais plus les frais de port. Et là, on s'en est sorti pour 39 euros. Voilà. Je me dis, c'est. Par rapport à ce que j'avais vu, ça va. Nettoyer le frigo, c'est fait. Nettoyer la voiture, non, ça c'est pas fait. J'ai pris tous mes rendez-vous, ça c'est cool. Mes dossiers maison, oui, ça c'est tout bon. Rendez-vous voiture, c'est bon. Oui, non, les pneus, non, les pneus, on n'a pas fait. Pardon, je rattaque malade, trop bien. Non, les pneus, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps. Finir l'album, finir mon album, donc ça, je suis trop contente. J'ai fini mes deux albums, donc je pensais pas finir les finir. Je pensais pas finir les deux. Et oui, je viens là tout juste de finir le deuxième, donc c'est cool. Le premier, il est emballé, envoyé. Voilà. Je pense qu'elle va le recevoir mardi, mercredi. Et puis l'autre, je viens de le terminer. Donc là, je vais juste rajouter des petites paillettes. Il y aura le temps de séchage. Et puis je pourrais l'envoyer, c'est cool. Mise à jour Instagram, Facebook, non, pas du tout. Ça, j'ai pas fait. Alors, mon shopping, oui, enfin, oui, on va dire à 80%, il me manque un truc. Donc, et puis c'est important en plus, donc il faut que j'y aille cette semaine. Le salon scrap, bon, j'espérais mettre un peu plus de sous de côté. Et ben non, bon, c'est pas grave. On fera avec ce qu'on a. Les travaux, bon, non, alors ça, par contre, mon chéri a pris des vacances bientôt là, donc c'est pas fait pendant là, parce que lui n'était pas en vacances, mais du coup, il y a plus de choses qui vont avancer à ce niveau-là, en tout cas. Je pense qu'il va s'occuper des pneus et des travaux. Alors, du coup, je reprends. Voilà, bah ma to-do list est terminée, donc c'est bon, c'est pas trop mal quoi. Instagram et YouTube, de toute façon, je voulais faire des petites choses et tout. Bon, ça, j'ai pas eu le temps. Par contre, j'attends que les personnes aient reçu bah, du coup leur album pour mettre sur Instagram et YouTube. Pardon. J'ai fait une petite vidéo de présentation de mon album bébé, donc j'attends qu'elle l'ait reçu mardi, mercredi,
pour la mettre. Voilà, puis ça lui servira à elle aussi. Et puis là, là très prochainement, dès que mes paillettes seront sèches, je vais prendre les photos du dernier album. Donc, de toute façon, il faut que j'attende que les personnes aient reçu pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Donc, bon, je ne me mets pas la pression. Ça, voilà. Et puis, bon, nettoyer la voiture, ouais, ça, par contre, il faut absolument que je fasse. Ma petite course qui me reste à faire. Sinon, bah, les pneus et les travaux, bah, c'est le chéri qui va s'en charger. Voilà. Donc, bon, c'est pas trop mal. Franchement, je suis assez contente. Sachant qu'au niveau des activités enfants, on a fait pas mal de choses. Et là, je suis quand même plutôt contente. On a profité ensemble avec les enfants. Et ça, c'est quand même, eh ben, le plus important, n'est-ce pas? C'est les enfants. Alors, du coup, je m'étais dit McDo, oui, même deux fois. On s'est fait un petit resto en famille aussi. Bon, plage, piscine, non, on était tous malades pour les vacances. Pas trop méchant, mais on a pu quand même faire des choses. Mais voilà, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Le parc de jeux, bah non. Le pique-nique, du coup, non. Par contre, on a fait des jeux de société, des jeux de cartes. Là, c'est pas mal parce qu'on a commencé à jouer à la bataille. Je me dis, pour mon petit 5 ans presque. Il les a pas encore, mais voilà, c'est tout comme. C'est bien, ça lui apprend à, voilà, à manipuler un peu plus les chiffres et tout ça. Et puis du plus grand, les plus petits, voilà, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Monopoly, on a fait un atelier scrap. Je vous ai mis les photos d'ailleurs. On a fait un peu de peinture. Des cartes. Ils ont fait des petits bonhommes avec des bâtons de bois. Voilà. On a joué au Uno. Voilà, je suis sûre que j'en oublie, mais voilà, on a fait des choses, quoi. C'était cool. Les promenades aux champignons, bah du coup, non. On n'est pas allé. En fait, on n'est pas sorti. Voilà, pour faire court. Je voulais aller à la bibliothèque aussi, mais bon. Bah tant pis. Tant pis. On a fait d'autres choses plutôt sympas. Donc, de toute façon, le plus important, c'était surtout de passer du temps ensemble. Plus que, voilà. Plus que faire une activité pour faire une activité. Donc, bilan des vacances. Bon, j'ai pas tout coché dans mes listes, mais on a quand même passé de bonnes vacances. J'ai pu quand même faire un petit peu. De ménage, de tout ça un petit peu tous les jours. Bon, ça, on est un peu obligé. J'ai pu quand même avancer un petit peu tous les jours sur mes dossiers administratifs. Ça, j'en avais plein en plus. C'était, oh, voilà, c'était vraiment pénible. En plus, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Mais bon, j'ai quand même pu finir ça. J'ai des rendez-vous quand même que j'ai pu prendre tous mes rendez-vous. Voilà, la plupart sont passés. Donc voilà, j'ai pu quand même finir mes deux albums. Donc ça, c'est quand même super cool parce que là, je pensais pas autant avancer. Donc ça, je suis très très contente. Et on va dire que mes objectifs les plus importants, voilà, ont été réalisés. Sachant que ceux qui me restent, ils vont être faits là, d'ici peu. Donc ça, c'est cool. J'ai une autre commande là du coup qui est venue pendant les vacances. Donc bah, je suis assez contente parce que comme je viens de finir mes deux commandes que j'avais en cours, et ben du coup il m'en reste plus qu'une. Donc voilà. Bon par contre ça va être un peu long parce que je vais faire un prototype. Ce que je vais faire. Bon, c'est pas très compliqué, mais je vais faire un prototype. Donc ça va me demander pardon, un peu plus de temps. Et voilà. Bon, ben, bilan des vacances. On a passé de bonnes vacances, même s'il n'a pas fait beau tous les jours, même si, voilà, on était malade, mais c'est pas grave. On s'est quand même bien amusé. Et puis, voilà, j'ai profité de mes petits pioupiou. Et j'ai quand même pu avancer dans ce que j'avais à faire. Donc, et ben, voilà. Tout est bien. Repos, ben non, je me suis pas trop reposée. Hein. Bon, après, le rythme était cool. Hein. Tranquille, le matin, tranquille. Voilà, le rythme était plutôt cool. Donc,
Donc voilà, j'aurais pas été contre quelques siestes supplémentaires, mais bon là vraiment, ils sont quand même pas mal autonomes, mais quand même pas suffisamment pour que je puisse faire la sieste avec les enfants, donc voilà. Puis ils font plus la sieste, eux évidemment. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est quand même à peu près en forme pour rattaquer. Et non, je suis quand même en forme là pour attaquer. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à lundi prochain pour les abonnés du lundi et puis à mercredi, je pense, pour les passionnés de Scrap. Gros bisous, à bientôt.